Bonjour à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. On est super content aujourd'hui d'être dans un aéroport. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que pour un énorme projet voyage. Première fois de la chaîne YouTube où Tom et moi, on part ensemble en dehors de l'Europe, c'est vrai? Pour moi, c'est la première fois même aux États-Unis. On est ici avec 10 jeunes, la délégation Amundi. C'est ça, pour participer au Senior Amundi Showcase, qui est un tournoi universitaire américain. Et les 10 jeunes ont été sélectionnés pour aller là-bas, jouer, se faire détecter par des universités ou être ou sont déjà en contact avec certaines universitaires. On va vous montrer tous les à côté. Normalement, il y a une autre vidéo très sportive. Là, on va vous montrer vraiment tous les à côté, leur quotidien, comment ils se préparent, etc. Mais d'abord, let's go to Vegas! C'est mignon avec ta petite valise. Oh, c'est mignon. Oui, si, je le sens. C'est parti. Ouais, c'est parti. Let's go to Vegas. Parti pour combien d'heures de vol? 10 heures là, je crois. 10h40 de vol. Là, 10h40 là. 10h40 là. Ah ouais, 10h40 ça pique hein. Ah ouais. C'est l'American Dream qui commence là. T'as ton qui est là? C'est beau ça. Grégoire, je crois que je suis désolé. T'es le seul à pas apparaître sur la selfie. Je crois qu'on te coupe. J'ai vu, je suis fort. Première escale à Seattle. On voit mes yeux. Je suis un peu explosé là ou pas? Un peu. C'est le cas. Et les autres? Oh. Yeah. Petit point d'étape. On est à Seattle. Il est... Je sais même pas. On a... Il est 19h30 ici, mais ça doit correspondre à 3 ou 4 heures, heure française. On galère. Ils sont tous derrière là. Et là, on attend la connexion pour Las Vegas. Donc on va en profiter pour tout de suite vous les présenter. On vous a filmé des swings pendant toute cette semaine. On va vous mettre ça en format dynamique maintenant. Comme avec ça, vous les connaissez. Et puis après, on va passer la semaine ensemble. C'est lent, hein. Tout est fou, ralenti là. Ah, c'est dur là. Même la regarde là. Ah non, ça dort pas encore. Encore. Ah non, il est là. Bien arrivé à Vegas. Ce qui se passe à Vegas. Reste à Vegas. Noah, tu peux juste nous dire où est ton sac là? Il est à Seattle et je suis à Las Vegas. Ah toi aussi? Voilà. Bon, voir ton écran. Il y a 19 minutes. Ouais. Bon, en gros, t'as pas ton sac de golf là. Forte chance que personne ne les ait. Première péripétie là. Voilà, là-bas, c'est les États-Unis. J'ai l'impression que tous les sacs de golf sont à Seattle. Du coup, ils sont tous allés à la réclamation et c'était le genre de truc que je pensais qui arrivait qu'aux autres. Donc là on va essayer de faire passer les sacs de Seattle à Vegas demain, parce que demain il y a visite du campus, il y avait un petit entraînement de prévu. C'est pas l'arrivée rêvée en tout cas. Voici des joueurs de golf sans sac de golf. Tu te sens bien? Bah ouais, au top hein. Tu te vois faire un tournoi avec des clubs loués? Ah, je pense que ça va être compliqué, mais c'est pas les clubs qui font le choix. Ah, c'est bon ça. Ouais, on est là Tom. Ah ouais, stylé. Sympa hein. Et regarde ces pick-up là, ils vont rentrer là comme des stars, ils vont sortir avec les vides teintées et tout. Bonne forme. Il est 1h du mat, on est arrivé à Las Vegas. Vous allez voir les skylines un peu à droite. T'es déjà venu à Las Vegas toi? Jamais. T'es déjà venu toi? Non, jamais non. Mais regarde ça, notre hôtel. On vient d'arriver mais je me suis pas encore retourné. Ah, tu t'es pas retourné, mais regarde ça. Ah ouais.
Waouh! Waouh! C'est waouh! That's amazing! Vas-y! Voilà. Combien de kilos dans Il fait pas chaud là en fait. Bah non, il fait non. Ah mais il fait frisqué là, moi j'ai pas de bonnet, j'ai rien, on a rien. Hein. Mais la journée c'est genre 15-17. J'ai vraiment l'impression de suivre la draft, tu sais, les coulisses de la draft. Ah oui, le petit casino dans l'hôtel. Non mais c'est n'importe quoi. Oh là là. Répartition des chambres. 9h15 en bas. 9h15 pris en bas. Ouais. En golf ou pas en golf? En bien présenté. Ouais. Parce que là, à l'université, déjà, on va rencontrer les coachs de la. Ouais. Ouais. En golf en vrai. De toute façon, vous avez pris autre chose que des avis de golf? Ah ouais? Oui. Ah oui. De toute façon, on vous envoie un WhatsApp demain matin pour vous lever, hein, Rudy. 9h15, heure Amérique. Allez, let's go. À demain. Cassez-vous, je veux dormir. Allez, dormez bien. Force Orange, force Orange. Grave. Pour Rangers. La chambre est vraiment stylée. Hein. Elle est grande et tout, il y a tout ce qu'il faut. Rapidement, on vient d'arriver à l'hôtel. On n'a pas encore dormi. On n'a pas dormi, ça fait combien de temps qu'on n'a pas dormi? 20, bientôt 30 heures. Donc bonne donc, nuit. Voilà, là on est complètement explosé. À demain matin. Tu veux dire autre chose? Demain on va visiter une université avec tous les jeunes. Là on va pas s'éterniser, on est complètement explosé. On se retrouve tout demain de suite. Demain matin. Ouais. Départ du jour numéro 2, on va aller visiter une université. C'est quoi comme université en fait? C'est UNLV, ouais, université du Nevada. C'est la seule du Nevada ou... Non je crois pas, enfin du Nevada non, non. Mais de Las Vegas peut-être, je sais pas. Bien l'information. On va discuter avec Lou qui va nous présenter le programme. Ouais, bouffon. Ah ouais, j'aurais oublié celui-là. T'as vraiment l'impression de rouler avec les Men in Black, hein, genre il y a deux fois cette place. Et il y a un golf. C'est celui-là qu'on va faire ce soir, Tom. T'es sûr? Ouais, Angel Park. Ah ouais, c'est lui. Angel Park. C'est moi là? Ah, il y en a deux. Tu vois quelque chose? Ok, on commence la présentation des joueurs français. Honneur aux dames, non? Non. Vas-y Louis, tu peux commencer. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Louis Pilot. Ouais. J'ai 18 ans depuis une semaine. Ah, ça te sert à rien aux États-Unis, ça mais. Sert à rien, exactement. Tu joues? Je joue à Lyon. J'habite à Lyon et je joue à Lyon et j'ai fait 2 ans de pôle France à Terre Blanche. Ok. Donc, tu connais bien Oyan, Martin, tout ça, t'as joué avec exactement, eux quoi. Exactement, je connais bien Oyan, j'ai fait les Europe avec eux, Europe Voice. Ah, c'est pour ça là, vous avez vu le petit France là. T'as déjà des touches avec des universités américaines? Je parle déjà à quelques universités, ouais, mais j'ai pas de contrat ou quoi. Et toi Carla, à ce qui paraît, tu discutes avec l'université qu'on va voir là. Oui. Et c'est quoi le programme? Bah je sais pas, je vais voir là, je vais la rencontrer. Pour toi c'est quoi le no way? Genre tu vas là-bas, tu vois un truc, tu dis non c'est bon j'y vais pas. Et l'inverse c'est quoi le truc? Genre tu vas là-bas, tu dis oh putain j'ai trop envie d'aller là-bas. Je sais pas. Genre tu stresses un peu non? Ouais. Est-ce que tu vas voir la coach là-bas avec qui tu discutes? Oui. Tu l'as déjà eu okay. La coach en visio et tout. Et tu joues où en fait? Je joue à Valcro. Le golf qu'on a découvert, que j'ai découvert il y a quelques semaines. Avec Romain Valèze. Très sympa, très sympa. Et l'objectif de ce week-end sur le tournoi? C'est la gagne? Bah ouais, ouais. Ah vous y allez pour gagner? Au final ouais. C'est de gagner quand même. Carrément. Du coup Lou, tu peux nous expliquer ce qu'on fait Lou ici? On a besoin de toi pour un programme global et journalier de cette aventure. Donc en fait. Là aujourd'hui, première journée, on est sur le campus de l'université de Nevada Las Vegas. Ouais. Donc ils vont parler aux coachs universitaires, leur poser leurs questions sur le processus, un peu le vibe de jouer sur une équipe de golf universitaire. Cet après-midi, petit entraînement technique. Super. Pour voir le grain, putting, chipping, tout ça. Demain, parce qu'on a récupéré les sacs de golf. On a les sacs bon. C'est bon, on a les sacs de golf. Ah génial, génial. Et après demain, première partie de reco. Donc là, on va sur les deux parcours différents. Et puis petit top golf le soir quand même. Génial, petite animation. Ça va être fou en vidéo aussi. Ça va être incroyable, je pense. Et puis après première grosse reco officielle. Grosse reco officielle avec tous les joueurs, tout ça. Et après samedi dimanche, les deux premiers tours tournoi en mode tournoi go et pour la gagne. Et à fond derrière et les joueurs. Juste alors pour revenir un peu en arrière. Donc là avec nous, il y a 10 jeunes joueurs français. Tout à fait. 4 filles, 6 garçons. Ouais. Comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Qui ils sont? Pourquoi est-ce qu'ils sont là en fait? Avec qui? Donc en fait, c'est
c'est sur une candidature, donc ils envoient leur candidature pendant 2 mois, ils ont un peu envoyé leur candidature, alors il faut historique de score, lettre de motivation, CV, et après leur performance. N'importe quel joueur français peut faire ça. Ouais, tout à fait. Donc après, nous, on voit un peu ceux qui sont motivés, il faut qu'il y ait un beau projet derrière. D'accord. Et là, dans le cas de ces 10 jeunes, ils ont tous des projets incroyables, enfin, c'est le futur du golf français, en gros. Et en gros, c'est... Oh, c'est beau ça. C'est avec Amundi. Amundi, voilà, tout à fait. Donc en fait, donc notre sponsor de l'Amundi Evian Championship, il sponsor aussi ce tournoi et JGA. Donc c'est Amundi qui prend en compte les frais des joueurs et qui les emmène jusqu'à Las Vegas pour jouer ce tournoi. Parce qu'ils veulent promouvoir le golf chez amateur, chez les jeunes, chez trucs. Exact. Okay. Et donc ils ont tous un projet universitaire aux États-Unis. Tout leur but à eux, c'est, ils savent que le biais pour devenir pro, c'est pour passer par les États-Unis. Donc ils font ce projet, cette démarche. Et cette année, on a eu le plus de candidatures. On a eu 50 candidatures chez les garçons, 25 chez les filles. Ça n'a pas été un choix facile, mais ça se voit qu'ils sont motivés. Ouais, ils sont tous méga chauds là derrière, en tout cas. Et donc, question. Attends. Donc là, ici, il y a des jeunes français qui nous regardent. Comment est-ce qu'ils applient? Quand? C'est quoi la deadline? Il y a un site internet pour. En fait, ça sera sur le site de la Fédé. Donc tous les ans, entre et l'année prochaine, on va essayer de s'y prendre un peu plus en avance. Et on communiquera dessus s'il y en a qui sont chauds. Ouais, mais entre juin et octobre, en fait, on va avoir les candidatures ouvertes pour l'année prochaine. Et c'est la même chose, envoyez par mail vos CV, vos historiques de score. Et ça sera tout sur le site de la Fédé et puis sur votre Instagram. Très très fort, Clou. Très fort, Clou. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est beau ça. Petit setup intérieur avec Trackman, GeForce. Trop chaud. Petit combine là. T'as demandé quoi, Tom là? Closest to the pin. Ils vont passer une balle chacun et on va voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre là. Avec 3 heures de sommeil, burger au petit déj et pas d'échauffement. Qui commence? Bon, Louis, t'as 2 caméras sur toi. Voilà. Merci. Tu vas faire mieux que lui, Clara. Ouais, vas-y, tape, pas de coup d'essai, rien, vas-y. Oh oui. Oh, en pure shot. En pure shot. Elle est trop forte. C'est envolé, complet, là. Ouais, mais tu sens envolé. Ça va, franchement, ça va. J'y vais. Ta casquette. Ma casquette. Thank you very much. C'est quand même incroyable, c'est l'université sympa. Américaine. Il y a des c'est un truc grand. Je sais pas c'est si on remarque à quel point c'est grand. C'est un truc que j'aurais pas. On a failli prendre un coup de porte. Là, et puis le temps là, tu vois. Là, on est décembre. Regardez le soleil. Là. Oh, comment ça fait du bien. Ouais, là, ça fait vraiment plaisir. Et donc là, on va faire un petit tour, je pense, des infrastructures. Si vous kiffez ce genre de contenu, n'oubliez pas petit bouton bleu, petit bouton s'abonner. Première fois de la vidéo qu'on le dit. Ouais, il faut. En plus, double caméra, on essaye de vous faire du contenu vraiment cool. Mais regardez ça avec les palmiers et tout là. Regarde. Sacha, allez, viens là. C'est vous qui voulez lui poser la première question? Ouais, vas-y. Vas-y, première question. Bah vas-y, c'est toi qui pose la question. Sur l'université. Ah, qu'est-ce que t'as appris? J'ai appris, l'université est géante. C'est la taille de la Normandie. Voilà. Donc tu viens de Normandie, du Havre, je viens c'est du Havre. Tu peux te présenter en 5 secondes? Je m'appelle Sacha Ruiz, je joue au golf du Havre.
Ok. Voilà. T'as quel âge? J'ai 16 ans et demi. Ok, mais donc l'université, c'est pas pour toi tout de suite? Ce serait pour août 2023, c'est possible, quoi, si j'arrive à... Si t'arrives à avoir ton bac? Trouver, le bac, ça devrait le faire. Mais l'université qui me convient golfiquement et académiquement. Ok, t'as déjà envoyé des dossiers ou trucs? T'en es où? Ouais, c'est ça, j'ai envoyé des dossiers avant de préparer pour le tournoi. Et après, je suis avec une agence aussi qui m'aide à mettre en contact avec les différents coachs de l'université, parce que c'est vraiment compliqué de... Ok. Parce qu'il y a des millions de facs, des millions de possibilités. Et justement, comment tu choisis genre l'université que tu veux, comment tu l'as choisi? Je regarde les classements qu'ils font. C'est surtout ça que tu regardes. Voilà, je regarde leur classement et après faire leur classement golfique et académique, voir si je peux étudier les matières qui me plaisent. Ok, ça c'est la question qu'on va poser à tout le monde, je pense. Attention. Ce week-end, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est la gagne? Fais gaffe, ouais. Parce que les deux avant toi, ils ont dit que c'était la gagne. Donc, forcément, moi j'ai envie de gagner, mais j'aime pas trop me concentrer sur un objectif de place, okay. De score, plus tu sais que par exemple, le putting, en ce moment j'ai un peu de mal, donc essayer de bien péter sur le tournoi normalement. Ok, sur des objectifs comme ça, et après voir où ça te place. Une bonne place, je peux être. Ça marche, voilà. Merci. Ouais, merci. Ils ont des petites fontaines dans leurs universités. Là, c'est royal. Là, ça, c'est le paysage que tu imagines d'une université américaine. Tu vois, le petit passage avec les arbres. Tu vas faire ça à chaque fois. Avec costaud. Vas-y, refais-le, j'ai pas zoomé. Voilà, ça va être le running gag des 5 jours. Hein. Si t'as une balle qui est là-dedans, t'as le droit de te dropper ou pas? C'est bon, on l'a fait déjà deux fois la blague dans la vidéo, c'est bon. C'est vrai? Oui. Déjà dans cette vidéo? À Sarrebourg. Mais non, à Sarrebourg. Ah ok. Et avec Céline. Ah oui, ok. C'est comme ta blague sur... je crois qu'on a construit un immeuble entre ta balle et la mienne. Deux vidéos déjà. Ok. On évite d'en faire dans une troisième. Tout ça, ce sera du B-roll, B-roll. C'est passé en avant, pas du tout. Non? Sauf quand on parle, quoi. Mais oui. Genre là maintenant? Genre peut-être que ça je laisserai. Et boum, ça repart. C'est quoi le tube que tu nous as fait là? Allez, tu veux pas nous en parler un petit peu? On la remet maintenant. C'est quoi le tube là? Le tube que tu nous as fait là, t'as pas fait une petite coquette là? Ah là, au shot. Ah non, non mais non, c'était juste une erreur parcours. J'ai cru que c'était une patinoire. Deux petits terrains de squash. Ouah, c'est incroyable. En fait, tu fais tout le temps du sport, quoi. Ah ouais. C'est incroyable, tu fais tout le temps du sport. Peux... Oh, la piscine, d'accord. En vrai, c'est trop bien. Là, on est avec 10 jeunes qui kiffent le golf, qui kiffent le sport. C'est trop bien comme expérience, on découvre des trucs. Voilà, génial. C'était le petit moment appréciation de ce deuxième jour. C'est bon, je vais le boire. Toi, tu peux donner un... Non, mais je la prends moi, sinon. Quoi? Tiens, pour ça. Mais un peu plus. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais des. Aussi, ou... Oui. Ah ouais, donc deux. Double caméra là, tu vois, Noah? Ok. Noah? Ouais. Première impression de ce cours au campus? Bah, déjà, j'ai l'impression que c'est un plein pays. C'est tellement grand. Et en vrai, c'est incroyable. Et. Bah ouais, on kiffe, hein. En plus la température, on est bien là. Là on est bien, un petit pull, c'est pas, voilà. Pas t-shirt polo, mais voilà. Petit pull juste comme il faut, je pense bien, que c'est. On est loin de la France là, où il fait 0 degrés, donc franchement on est bien, ouais. T'imagines bien aux États-Unis? Ouais, en vrai je me sens bien, parce que je trouve on est bien accueillis, et la mentalité je préfère. Parce que je trouve que quand on vient, tout le monde accueille gentiment, donc ouais franchement c'est, ouais, cool. C'est cool. Et est-ce que tu penses que les États-Unis, la fac américaine, est obligatoire pour réussir dans le golf? Il y a des... Oui, et des points non. Ouais, il y a des exceptions. Ouais, il y a des exceptions. Moi, je sais que Rory, par exemple, il n'a pas été en Univ. Ouais. Deux, trois qui n'ont pas été en Univ. Après, bah, on voit en globalité, même si les Américains, bah, c'est leur pays, on voit beaucoup de personnes, quand même, de professionnels dans le top 50 mondial qui sont passés. Est-ce que tu peux, là, très rapidement, 10 secondes, te présenter? Je m'appelle Noah, je crois. Je suis moins 4-1 d'index. Je viens du golf de Lyonnais à Lyon. Moins 4. Et je fais du golf depuis 11 ans maintenant. Ok. Meilleur résultat? Plus belle perf? Bah, je pense que c'est les championnats de France en 2017, quand j'étais champion de France et que j'avais... Champion de France en 2017? Ouais, où je pensais costaud. Que franchement, où j'étais très outsider et... Et c'était quoi? Mais c'était... C'était l'émotion, j'étais moins de 12 ans. Ouais, parce que 2017, il avait 12 ans, Tom. Ouais, ok. Voilà. Et là, l'objectif, c'est États-Unis à partir de quand? Août 2023 aussi? C'est 2024 pareil plutôt, je pense. Ok. Pour faire une année de césure et après partir... Ce week-end, c'est quoi? C'est la gagne? Oui et non. On va dire que...
C'est sûr que c'est l'objectif final, mais on va dire ça passe par plein de moyens, choses qu'on a mis en place avec mes coachs. Bah. Oh, il est corporel. Il va l'envoyer après, vous avez vu les coachs. Non, mais c'est vrai que j'ai vu avec mes coachs, maintenant il faut que j'essaie d'être moins sur le résultat et plus sur les moyens que je vais y mettre. Et après, si le résultat y va, bah tant mieux. Et voilà. Bon tournoi. Bon tournoi à toi. Merci. Bon, c'était cool, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? On récupère. Les clubs cassés. Les clubs cassés. Tout le monde récupère son bag là. Parce que c'est entraînement cet après-midi. Exact, on va aller manger sur le golf. Il double, c'est beau ça. Ah ouais. Un peu le bordel dans votre chambre quand même. Ça va, c'est une chambre de sportif. On va aller vérifier s'il n'y a pas de clubs cassés. Ouais. Ah putain. Ouais, allez viens, on fait l'ouverture de sac avec vous. C'est vrai. Ça devait être moi qui les avais. J'ai pas le souvenir. Mais... Il y a un mec qui l'a sorti, qui a fait un 18 ouais, et qui l'a remis. Il a regardé un peu, en fait il allait jouer 18 trous à Seattle, c'est pour ça qu'ils étaient en fait. C'est bon? Tout est ok? Ah, ils ont changé aussi. Attends, mais non. Ouais, ils ont changé mes ordres. Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas possible ça. T'as vu, on est d'accord. Mais oui, parce que mon poteau était là alors. Hein, mais, là. Oui. Mais surtout que le tien t'avais un mot de passe. Un truc. Mais oui, j'ai mon cadre là. Non, c'est moi. Non, c'est juste complètement con en fait les gars. Premier entraînement sur le sol américain pour les jeunes français. J'ai été très solennel dans mon, ouais, dans mon approche là. Bernard de la Villardière. Ils ont alcool, drogue, sexe. Nous allons vous expliquer comment se passe la vie de ces jeunes français sur le territoire américain. Non mais là ils ont tous récupéré leur sac. On va manger au clubhouse directement là-bas. Et après on va les voir taper. J'ai tellement hâte de tous les voir taper. C'est cool. 3 secondes, votre joueur préféré. Jordan Spieth, Nelly Korda. Nelly Korda, derrière McIlroy. Scheffler. Pourquoi Scheffler? Qui? C'est Rory. Ok, Scheffler, il est cool, mais il sert à rien quoi. Pourquoi Scheffler? T'es, il est pas fun Scheffler. Ouais, franchement. T'as le joueur là-bas. Pareil ici, joueur préféré en 3 secondes. Joueur préféré? Joueur ou joueuse? Nelly Korda. Rory McIlroy. Ah, voilà, classique. Et surtout, c'est fou comme certains joueurs marquent. Et pourquoi Rory? Pourquoi Rory? Parce que son swing, ses performances et son top classement depuis des années. J'aurais dit pareil pour Nelly Korda. J'aurais dit vraiment pareil. Elle est tellement facile. Vraiment, t'as l'impression que son swing, il force pas. Ouais, y'a rien qui force, c'est fluide. C'est simple quoi. Pour moi, le golf, c'est simple. Nico, c'est quoi toi? Mon joueur préféré. Joueur préféré. Actuellement? Ouais. Rory. Et toi? Rory. Hein. Et Bryson, j'aime bien Bryson quoi. Parce qu'il paraît que c'est même les mecs du tour, ils disent que Rory, qui ont connu Tiger à la grande époque et tout, ils ont dit le seul qui se rapproche de ça, c'est Rory. Quand il arrive au practice, c'est le seul qu'on regarde taper ces trucs, il a quelque chose de plus que les autres. Est-ce qu'on, un jour dans l'histoire de cette chaîne, est-ce qu'on va réussir à taper des balles avec Tiger Woods? Oula, là tu cherches hein, les good good. Dans l'histoire de cette chaîne, tu m'as dit quand? Peut-être dans 10 ans, tu vois. Les good good n'ont même pas encore approché Tiger Woods. Même pas approché, ils ont 1,5 million d'abonnés. On a 10 000 abonnés. Rien n'est impossible. C'est vrai. Just do it, comme Tiger dirait. Sauf qu'on est chez Puma, Tom. Ouais. Merde. Regardez ces élèves studieux. C'est pas comme nous, on sort de table et on va prendre le drive, on va se déchirer. Là, ils sortent et c'est putting, les gars, avec la vue incroyable. Et je suis avec Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bonjour. Nicolas, je suis coach à la Fédé depuis 20 ans. Ok. Et là, j'ai une mission sur cette semaine, d'encadrer le groupe de jeunes qui jouent la Mundi Senior à Las Vegas. Ok. Ce que tu as dit avant, c'est que tu vas pas intervenir, c'est pas toi qui va aller voir les jeunes, mais plutôt tu es là en mode, si jamais il se passe quelque chose, tu es là pour rassurer ou pour corriger un truc, si jamais, ou quoi. C'est un soutien, ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut les aider si jamais il y a un problème technique ou un secteur de jeu un peu déficient. Donc voilà, on va y aller. Plutôt de vers moi et puis après plus important ça va être faire une bonne reco, d'avoir un plan clair au niveau du jeu, les aider surtout à choisir des bonnes stratégies. Bon, je crois que ça va tu vas les accompagner sur la reco avec eux un peu sur le sac etc ou ça oui, va bah, se j'ai prévu d'être avec les filles demain et avec les garçons après-demain. Ok. Histoire d'équilibrer les actions et de leur proposer de faire des choix clairs. L'objectif là des jeunes, t'aimerais bien qu'il y ait une victoire, c'est possible ou... Je sais qu'on l'a déjà fait puisque il y a 4 ans il y a une fille de ma ligue, la ligue Grand Est qui a gagné. Okay. Donc c'est possible. Donc on va bosser pour ça quoi. Il y en a certains qui sont très en forme, donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher un petit truc là cette semaine. Très cool ça. Il y a un mal de bise qui arrive là. Luc, on a un tea time à 5h30. On a une demi-heure de libre derrière nous. Incroyable.
Et alors, c'est quoi, ils sont d'accord pour qu'on parte tous On part à 10 et puis après ils disent, je vais essayer juste de pas être plus que 4 par trou quoi. Et les 30 minutes derrière, ouais. Ça va être incroyable. Ça, on vous la met là, on aura peut-être pas encore la miniature, mais on vous met un petit extrait maintenant. Vas-y. De ce qui va se passer, ça va être voilà cool. On mettrait pas 2-3 photos que tu viens de prendre là? Ah, on peut, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont très sympas là. Il y a un petit 9 trous putting, je pense, pour ce challenge sur des courbes, sur des pentes et tout. Et là-bas, juste, on va aller voir tous les gens en practice. T'es sûr que c'est par là? Non, c'est trompé. Non, on peut passer par là. On peut. T'es sûr? Ouais. Ouais. J'ai dû porter le sac de Léna parce qu'elle n'avait pas confiance. Hop! Pour nous, c'est un pas, mais pour elle, c'était un saut. Il fait le malin, il a failli se casser la gueule. Et là, ta routine d'échauffement, tu peux nous l'expliquer en... Oula, est-ce que j'ai la voix pour... La routine d'échauffement pour le practice. Je me mets généralement derrière la balle. Ben là, vu que c'est les deux premières balles, mais c'est vraiment taper pas trop fort, trois quarts de coup, juste pour avoir les sensations. Voilà, juste ressentir le toucher et après... Tu fais déjà attention à un point technique ou c'est vraiment juste contact? Non, là, c'est vraiment que contact. Je cherche pas plan technique pour l'instant, ça viendra après. Avec les wedges, ça sert pas... forcément à grand chose. Les sensations sur cette première séance de practice après le voyage et tout là? Bah, en vrai, ça va. C'était pas mal. Ouais, tous ça va mettre dedans. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Demain, première journée de reco. Et puis là, on va partir sur une autre vidéo qu'on vous montrera sur une autre. La semaine prochaine. Voilà, il explique. On fera un gros forum sûrement avec tous les jeunes sur le parcours éclairé qui est juste là où on voit les projecteurs qui sont en train de s'allumer. A tout à l'heure, les gars. Voilà. Enfin, je sais pas trop comment ça va rendre dans la vidéo, mais il y a eu des petits shots vraiment stylés, sympa, je pense. Ouais. Enfin, vous avez vu quelques photos et quelques vidéos de tout ça. C'est très costaud et tous les swings sont très costauds là. Très très impressionné. Et ça va être trop cool de les voir sur parcours et tout. Hop. Bon, on rentre là aussi, Dom. Parti. Tu veux pas rentrer, toi? Si. Bah, il faut chercher un truc à chaud quoi. Bon, c'est quand même stylé. Regardez ce qu'il y a là-bas. Hop. Il y a les petites montagnes. Et puis là, on dirait les fonds d'écran d'Apple, c'est ça là. Là les amis, programme, on va rentrer, mettre 2-3 couches pour aller faire la vidéo qui sortira un peu plus tard, golf de nuit. Moi je suis chaud. Ouais. Vas-y. Je suis méga chaud pour une pétanque moi aussi. 2 balles. Tu veux un 62 à me prêter? Mais vous rentrez pas du coup? Non. Oh, il t'a niqué. Je vraiment, il t'a défoncé. Ma brain, il m'a... Et c'est qui les équipes? Sinon on fait pas d'équipe. Ok, ouais. Moi je comptais sur quelqu'un, mais bon. Non mais on fait pas une pétanque. Je me débrouille tout seul là. Mais non, mais non, on fait tous ensemble, c'est mieux. Putain, moi j'ai bien envie d'une petite laine en vrai, mais j'ai bien envie de faire une... C'est Lou qui a dit ça. Mais j'ai bien envie de faire une pétanque aussi, tu vois. Et bah oui. Cool. Il faut jeter alors. Genre comme ça. En arrière? Ouais. Non, non, mais il y a de l'eau là, fais gaffe. Imagine. Il y a des balles, il y a des balles. Mais pose-la là, tu fais. Mais oui, fais-la. Voilà. Non, les deux là. Bon, Carla, on joue contre Noah et Yann. On va les défoncer. Exact, et c'est en 5 ou 7 points du coup. 7. Attends. Mais non, c'est encore vous? Ouais. Mais non, il y a eu 6-0. Donc en gros, ouais, Carla, elle a fait 5 points là. Ouais, 5 points. J'ai pas mis un point. Oui, fais gaffe. Balle, Tocio. Ah, il le connaît bien là, ça y est. Oh. Ah. Lucas. Aïe, aïe, aïe. Elle est passée trop fort. Ça me rend dingue là. Allez. Pardon, excuse-moi. Putain, Luc. Non mais elle a carry tout le game, hein. J'ai rien fait du tout moi, j'ai pas mis un, y a pas un point moi. Mais ça va, ça, mais oui.
Non, on va, en fait, on va déjà y aller là, je pense, les gars. On va y aller, on y va. Ouais, faut qu'on y aille, je pense. Voilà. C'est vous qui avez gagné? Ouais. Bien joué, les gars. Il a qui ce wedge là? Non, il a qui ce wedge? Il a qui ce wedge? Il a personne, apparemment. Sacha, il a toi ce wedge? Non. Mais c'est. Il a personne. Qui joue? Qui a un. Callaway? C'est à moi. Voilà. Il y a une grosse équipe là, quand même. Il y a tout le monde en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. C'est énorme. Départ du jour numéro 3. Aujourd'hui, première reco de tous les joueurs. C'est ça, on va suivre les filles. Mais là d'abord, il faut qu'on prépare tous les postes. Donc là, il y a un petit peu de... Ça, c'est la partie moins marrante du job, ça. Se réveiller plus tôt et se coucher plus tard que tout le monde pour faire la com. T'as ta carte? Oui. Sûr? Bon là, du coup, c'est à ce moment-là qu'on va partir sur la deuxième vidéo côté sportive, où là, vous aurez vraiment plus le côté interview, après, avant-parcours, ce genre de choses. Et on va quand même garder la caméra pour cette vidéo-là, avant et après le parcours. On va leur souhaiter le maximum pour leur première journée de reco. Donc, c'est pas officiel, mais c'est vraiment juste commencer à... Ouais, voilà. Première reco pour commencer à se mettre dedans. Et là, on va manger un gros petit déj. C'est quand même ouf d'avoir un... Hello tout le monde! En forme tout le monde? Ça va nickel! Personne n'est malade? Tu te régales? Bah franchement, on s'en va. Ouais? On a pris un pancake aussi, non? Ouais, un. Non mais regarde la taille du truc. Là, on va séparer des équipes. Les faut payer, faut payer en fait. Ah oui, c'est vrai. On est avec Rudy et Yann. L'objectif, c'est de juste avoir, comme les autres, une petite interview de ces messieurs. Pourquoi t'as mis le... Je sais pas. En haut. C'est toi qui as fait ça? Oui. Prénom, prénom, âge, club. Ok, bah Rudy Sautron, 17 ans. Bah, je suis au Colorado, mais je joue au GSL cette année. Au Colorado? Comme ça, tu joues. Au Colorado, c'est à l'île de la Réunion. Ah, ok. Qu'est-ce qui branle là? Ok, donc Golf Club de Lyon en France. Index? Moins 3,4. Ok, meilleur résultat? Vice-champion de France cette année. Cool. Cette année, très bien, cool. Très, très cool. Moins de 18? Ouais, cadet, ouais. Ok. 17-18 ans. Déjà des contacts avec les universités américaines? Ouais, un petit peu. On essaye de voir, mais là, c'est encore plus l'occasion pour pouvoir voir avec... Les coachs quoi. Là ça commence en fait, là c'est la première journée de reco. Ouais. T'as quoi en tête et que... Bah là juste reconnaître le parcours, après gagner, bon c'est sûr ça reste dans une partie de la tête, hein. C'est comme ça quand on est un joueur de compétition, on veut gagner à tout prix. Juste pouvoir jouer, déjà voir un peu les coachs parce que c'est à peu près l'objectif pour venir quoi. Donc ouais c'est cool, on verra. Bon tournoi Rudy. Merci. Souhaite le meilleur pour les 4 joueurs. C'est... Avec Yann dans le casino. Ah oui. Ouais, bon. Yann Ferrando, 17 ans. Index. Avance, je te suis. Index moins 3,2. Meilleur résultat. Meilleur résultat, vainqueur de la Biarritz Cup cette année. Oh, propre ça! Ah, c'est cette année là? T'as fini premier cette année? Ouais. Ah, oui! Retournant la Biarritz Cup, ouais. Non? Ouais, ouais. Point fort de ton jeu? Petit jeu, chipping, putting. Ok, et. Hey, t'as gagné hier, la pétanque. C'est toi qui as gagné, non, avec Noah. Ouais, ouais. Ils nous ont explosé. Ouais, t'es espèce de. 7 points faibles, bah, le driving, les mises en jeu. T'es déjà en contact avec des universités américaines? Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, objectif de ce tournoi, prendre contact avec pas mal d'universités. C'est bien joué, être repéré. Voilà, être repéré. Voir ce que ça donne. Quoi. Pourquoi pas gagner, on sait jamais, mais bon, ça on verra après. Bon tournoi, Yann. Merci. Les amis, on est sur la reco jour numéro 1 des filles. Donc là, on va pas vous filmer, en tout cas pour cette vidéo, tout le contenu. Ça, faudra attendre la vidéo qui va sortir dans quelques jours pour vraiment avoir l'inside. Là, toutes les filles sont super concentrées et on va vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. On espère que vous serez là. N'oubliez pas, si vous kiffez le contenu, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner et la cloche. On va essayer de vous fera quelques images sur le parcours aussi parce que on vous voyez, il y a un petit peu de golf. De la première journée de reco, on avait prévu un top golf mais malheureusement il n'y a plus de place, on ira dimanche. Ça va faire un gros bowling. Gros bowling ce soir avec tout le monde. Et on va manger pizza, j'ai faim. J'ai faim. De bowling. 60 pistes de bowling à ce point. Vous mettez un challenge en jeu. C'est vous qui choisissez si match, ou un stroke, ou un truc.
Du coup, tu vas prendre quoi, Louis? Je sais pas trop là, il y a beaucoup trop d'ingrédients. Je me pose des questions. Je refais mon carnet là. Tu refais ton carnet? Oui. Regardez comment il est des dessins mignons. Regardez comment il est trop stylé, regardez, c'est le départ du 10. Regardez comment il est trop stylé. Il y a les 4 trucs. Oh, stylé! Tu les as refait, je me suis dit, voilà. Mais qu'est-ce qu'il dessine, ce con? Ouais, je dis. Non, c'est pas un dessin. Tu fais ça avec quoi? Google Earth. Que vous pensez qu'on fait les gros là? On a pris 3 pizzas. Ça va, c'est pas de film. Pas de film, on s'excuse. Gros bowling avec les équipes. Et mais là il y a du. Ok d'accord. Allez, ça a checké carrément. Il y a eu un petit check sur type là. Potom par contre on perd pas là-haut. On est en équipe de 2 contre les autres là. Et on veut un peu plus de sourire là, ça fait 3 jours que tu nous parles de ton bowling. Et moi dans ma tête, vu comme on avait envie d'y aller, il y a un minimum de niveau, tu vois. Non mais t'arrêtes. Cette tête, putain. Fin de la troisième journée, premier roco officiel demain. Bah, c'était très sympa ce bowling. Félicitations Nathan et Nico, hein, qui ont mis tous les... Greg pas mal aussi. Greg pas trop mal aussi. Pas ouf quoi. Pas ouf. Moi je tiens à féliciter Léna qui a gardé le sourire alors qu'elle mettait que des gouttières. Elle verra ça sur YouTube. Allez, à demain. Salut les filles. Ça va? En forme? Ça va. C'est vrai que maintes réveils ça va, mais le tout premier réveil qui sonne à 5h15. Ouais, c'est tôt là, non? C'est tôt. Départ des recos officiels. Là, on va faire attention ouverture avec grand soleil. Pas du tout, il fait encore totalement nuit. Action. Reco officiel pour vous là? Ouais. T'es prêt? Ça va. T'es prêt? Ouais, oh, 5h15, il fait mal, hein? Ouais, carrément. T'en as eu encore jusqu'à minuit. Ouais. Elle était. Il y a une meuf là à 5h du mat. Oula! Comme... Elle a gagné 300$ en faisant ça. Mais non! Les gens là n'ont pas dormi en fait. Là, pour eux, il est encore 2h de l'après-midi là. Good morning! Les petits yeux? Ah bah non! Nico il est à fond! Centre de Vegas, petite soirée où on va découvrir la ville. Hop. Ouais. Les pouces, comme ça. Mon drive est tellement stylé, je te jure. Je le mets sur un repeat, tu vois. Je rêve de faire ça. Ce qu'elle fait là, ça fait faire de la vitesse. Ça, c'est ça, mec, j'aurais dû pas mettre à mon drive. Ouais. Tu préfères jouer Augusta? Ouais. Là, je crois que tu peux faire n'importe quoi derrière. Ah ouais? C'est sûr? Ok, vas-y. Tu préfères vas-y. Où avec Tiger Woods? Allez! Ah sur un petit parcours. Sur un petit parcours. Tiger en VDS. Bah voilà, bah oui. Tiger en VDS. Tiger, voilà, alors? Ouais, moi aussi. Voilà! Et vous les filles? Tiger. T'as un pote de 2m50. Quelle pente, d'accord? Quelle pente? Petit. 1 degré gauche-droite, ça va, mais petit gauche-droite. Il est là, tu vois. Mais elle est là, la pensée. 2m50, ok? Tu le mets, tu gagnes 1 million d'euros. Tu le rates, t'arrêtes le golf. Est-ce que je le fais ou pas? Ouais. Est-ce que tu le fais? Si je le rate, j'arrête le golf obligatoire? Moi, je change mon footer, je peux pas. Non, mais vraiment, premier degré. Je continue le golf et. Parce que vas-y, t'arrêtes le golf, parce que t'arrêtes un peu de 2m50. Je le tente pas. Alex, je le rentre tout le temps, mec. Je le mets 1 million de dollars. Si tu veux, je le fais 10 fois même. 2m50, tu vois, c'est. Pas confiance, 2m50, c'est 50%. Sinon, t'arrêtes le golf, gros. Ah, mais bon, t'as plus besoin de mettre un petit. Je fais du badminton.
que du ping-pong, j'ai rien à foutre. Arrête même pas, toi. Ça fait quoi d'être à Vegas, Tom? Pas mal, quand même. En vrai, c'est très stylé, quand même. Hein. Pas mal. Maintenant, tu te rendais pas trop compte que t'étais à Vegas. Là, tu te rends compte. Ouais. I believe in the future. I believe in the past. Là, là, ici là. Ça, ça pompe là. Ils vont pas comprendre pourquoi là. Mais non. Oh oui, messieurs. Oh là là. Tellement américain. Incroyable. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils font des pompes, il faudra regarder la vidéo qui sortira dans quelques jours. Solide, solide, Noah. Bien joué, bien joué. Nice one. C'est bon, je suis fatigué. Allez, vas-y. Tu vois le 17 de Tipeee Cissogras. On te file 2,6 millions si tu le touches. D'accord. Sans le pied. Ouais. Tu le touches et tu restes dessus. Si tu le rates, tu leur dois 50 000. Ouais, moi, je crois que je joue tout. En vrai, c'est une petite canne. Je crois que je joue tout. Non, t'as genre 130-140. C'était vrai. Ouais, c'est vrai. Je pense que même moi, j'ai vu. Mais je pense que je m'entraîne pendant 3 mois. Je fais juste ce shot. S'il dit ça, c'est que t'as pas le droit. Ça, c'est... Non, tu t'entraînes pas. Ouais. En fait, ça marche pas. Ça existe pas comme truc. Je préfère le jeu de fer de Morikawa ou le putting de Fitzpatrick. Le putting de Smith. Mais non, mais oh, t'as rien compris à la question, toi. Bah, c'est genre, pareil. Tu peux choisir entre les deux. T'es con ou quoi? Au final, c'est le même. Lui, t'as pas compris que c'est un vendeur de Smith, gros. Il dit n'importe quoi, il dit Smith. Smith, avant de Smith. 3 secondes, votre joueur préféré. Jordan Spieth. C'était le jeu de faire du Morikawa. Ah ouais, tous les jours. T'expliques le schéma de Nathan. Alors notre ami Nathan, juste ici, il aime bien, à la fin de son échauffement, de son warm-up, tu vois, avant de partir sur le parcours, il fait une bonne séance de practice où il a bien travaillé tout ce qu'il fallait pour pète des balles droites. Et il finit par 6 caricatures. Il appelle ça des caricatures. C'est quoi les caricatures? C'est le mot que j'ai trouvé, c'est faire des coups. Faire des coups rigolos qui servent à rien. Voilà. Non, mais capone, genre voilà, ouais. Une capone, une soquette, un slice, une grosse gratte, une top. Regarde, quelqu'un d'autre vient d'apprendre le truc, il hallucine. Et ensuite, il part sur le parcours. Fait... Des coups, vous voyez que tu vas arriver au départ de l'autre. Mais je fais pas des coups. Un pique-nique, un slice, une capone, une grasse. Je mémorise rien du tout, ça m'amuse. Luc, je sais pas ce que tu feras de ce rush, mais c'était quand même assez drôle. C'est grandiose. Demain, premier tour pour les gars et pour les filles. On sera avec les filles, donc on souhaite bonne chance aux gars. Là, vas-y, on a un peu là. Voilà. T'as intérêt à faire du jeu. On va dormir là. Allez, bro. Ça marche? Vas-y, ah, allez, vas-y. Eh ben, on vient de rentrer de Miami. Pas du tout. On vient de rentrer de Vegas. C'est plus ça. Et bah, c'était. Alors, en vrai, c'est vraiment stylé quand même. Ouais, je m'attendais pas cool à ça. Le centre-ville est vraiment. Je m'attendais à un truc un peu plus beauf, tu vois. Vegas, ces trucs et tout. Mais en vrai, il y a vraiment moyen de kiffer. Un petit budget entre potes et au moins de mourir 2-3 fois, je crois. Que... Et perdre 15 ans d'espérance de vie. Et sûrement 15 ans d'espérance de vie aussi. Et là, bah, c'est parti pour aller bosser sur les réels, les photos. Pour qu'ils aient tout ça demain matin au réveil et qu'ils puissent poster. C'est parti. Au moment où je l'enlève, ça fait fond du noir. Ouais. 1, 2, 3. Ça commence à piquer un peu de se lever à 5h deux ou trois fois de suite là. C'est parti pour le début du tournoi. J'ai hâte. C'est vrai, début du tournoi, c'est parti. J'ai hâte de les voir scorer, ça serait trop fou. Ça serait vraiment incroyable de les voir scorer. On va suivre les filles. On va être avec les filles aujourd'hui. En direction de leur golf pour pouvoir faire le petit déj avec elles et directement les suivre sur le parcours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura les micro-cravates. On va essayer de pas les déranger aussi hein, parce que nous on va parler, mais on va essayer de faire ça assez discrètement. C'est parti, il y a toujours un casino derrière Luc, nous là. Luc, quoi? Luc, discrètement. Je crois qu'il y a un truc qui va pas là. Yeah. You might not wanna get close. We a little wild world.
covered in tattoos. Run it up, taking all the views. Ça va? Tiens, tu viens de te... On a dormi 3 heures. À l'instant. Parce que... Solide, costaud. Moins 2. Ouais. Deuxième partie, demain. Yep. Chill, ça aurait pas pu être en première partie. Ouais, putain. Enfin, en vrai, c'est pas... C'est quoi, c'est pas plus mal? C'est quoi? C'est pas plus mal, non, c'est dommage. Ah. Ouais, j'ai pas envie d'être avec moi. Non, en vrai, ça aurait été insane. Ouais, le fou, il est passé. C'est mon pote Tamet, 20 ou 18, qui rentre pas. Oh. Non. Ah, ouais. Vraiment, j'ai loupé, genre... Ça pour mon 3. Tout droit en plus en montée. Oh. J'ai inventé une petite pente gauche droite. J'y allais là, ça a un peu tourné. Oh, que dalle. Que dalle. Et en global, ça s'est bien passé? Ouais. Ouais, j'ai pas super bien tapé la balle. Enfin, tout était moyen quoi. Et par contre, au putting, ça va, je suis pas mal poté quoi. Moins 2. Pas super bien tapé la balle, franchement, mais bon. Ah bah ouais, en vrai, je peux faire mieux. Ça peut toujours être pire. Bien, bien sûr, bien sûr. Je peux faire. Demain ça peut être mieux quoi. Ouais. Donc, dis, mais non. C'est gavé, hein. Bien ça. J'ai gagné la première quand même. Bon les gars, bien joué pour votre journée là. Sacha, Nathan, Noah, putain, on a entendu, t'es passé à moins 7 à un moment. Seul en tête. Ça va, Carla? Oui, ça va. Une gosse. Tu m'ennuies un peu là. Hier, tu nous as dit à la caméra ou avant-hier que ton meilleur score c'était moins 7, non? Putain, on était en train de regarder les scores, on s'est dit, ouah, s'il fait moins 7 ou mieux, c'est incroyable. Ouais, moi, je fais ça. Ouais, vraiment solide. Hein. Bon, on te posera les questions de toute façon à l'interview, ouais, mais moins 5. C'est quoi ces deux bogeys qui te font descendre moins 5? Ouais. Bonne app. Bonne app. Merci. Désolé, la caméra au réveil comme ça. Salut. Hey, vous êtes fraîche au réveil quand même. Bon, aujourd'hui, comment ça va se passer? Très bien. Ah ouais? T'annonces? Ouais. On joue la gagne, non? Oh, c'est beau ça. On a dit 4 top 4. Hein. Ouais, 4 top 4, ce serait incroyable. Top 4 et vous vous rasez le crâne. Oh! Qu'est-ce que vous franchement, ouais. Franchement, d'accord. Allez. Oh. Non, d'accord, franchement, 4 top 4, Luc. Ok, bah moi de toute façon j'ai déjà un mulet de prévu donc après le mulet je me rase la tête et puis voilà, hein, toi par 4 top 4 et vous vous rasez le crâne. On fait deal? Allez, check. Oh punaise, j'ai jamais eu autant envie de me raser le crâne. Bon, c'est cool. On sait s'il y a du vent ou quelque chose ou c'est la même condition qu'hier? Non, il va faire encore plus chaud. Ouais. Donc, il va encore plus voler. Tu vas être 40 mètres devant tes coéquipières cette fois-ci. Ah, voilà. Bonne partie Léna, bonne partie Carla. Deuxième partie, à tout à l'heure. À tout à l'heure les filles. Jour de guerre, dimanche, deuxième partie. Ça va? En forme? Ça va? Oui, c'est sûr, en forme. Ça va? C'est joli. Et toi? Ça va? Ça va? Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see your job. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, oui, Noah. Let me see your job. Oui, Carla. Et bon là? Oui, Carla. Ici là. Oui, Carla. Luc, tu veux expliquer à la communauté que tu viens de perdre 50 euros à la roulette au casino? Ben, on a failli tout gagner, mais on a tout perdu. Voilà, tu as résumé Las Vegas, gros. Et là, on va où? Et là, on va au Top Golf, là. Concours de drive, qui est-ce qui gagne? Genre, Louis, tu vas passer à combien? À combien je vais passer? Ouais. Il y aura que la vitesse non, de balle. Non, il y a que la vitesse de balle. Ouais. Donc, moi, je suis très très mal. Mais elle est un peu biaisée. Pourquoi? Parce que je peux aller vite, mais je la sens jamais bien, quoi. Un Top Golf et à mon avis celui-là on va difficilement pouvoir faire mieux. C'est pas le premier? Parce qu'il paraît c'est le premier je crois. Il y a des écrans au fond, Luc. Non mais regarde ça. Voilà. C'est quand même beau là le golf aux États-Unis. Incroyable. Ça y est, ça se lâche maintenant. Il y a tout le monde qui a terminé le tournoi, ça se lâche comme des fous. Et bien évidemment, on n'a pas fait un seul coup de fer. Ça
Du coup, Luc, on a bien filmé à Top Golf là. Ah, vraiment super. Top. Non, on pouvait pas finalement parce que du coup, ben, ils veulent contrôler leur image. On s'est fait tout simplement. On a le droit aux iPhones, mais pas à la caméra. La caméra. En tout cas, c'était énorme. On a fait une petite séance de vitesse, toute petite. Il y a Yann qui est passé à 150. Il est où, Yann? Il est là. Ouais. On arrive petit à petit à la fin de cette vidéo. J'ai battu Luc en ball speed. Yeah. Hey, mais ils sentent mieux ça va que moi. Qu'est-ce que je te dis? Peut-être on fait la conclu au panneau. Ça peut être incroyable. Bon, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé avec tous les jeunes joueurs français là qui se sont déplacés à Las Vegas. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. On a pris un plaisir immense à venir ici à Las Vegas grâce à Amundi et à toute cette équipe là. C'était vraiment très sympa de tous vous découvrir. On le redit encore une fois. Merci à vous, merci à tout le monde. Allez les suivre, allez les soutenir. Dans la description, il y a l'Instagram de tous les joueurs ici. Donc allez les suivre directement. Ils le méritent parce que ça va devenir les nouveaux champions français. Allez-y à fond. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner et la cloche. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ouais.